Thank you.
soit, que Dieu bénisse. J'ai été édifié par un témoignage. Le témoignage de la dame. Elle dit, je n'ai même pas encore rencontré le prophète. Ma fille qui était enflée. L'enflure est partie. C'est ça la puissance de Dieu. Ce n'est pas une question de grâce. C'est une question de Jésus qui est à l'œuvre. Tu peux utiliser Crasso. Et tu ne peux même pas utiliser Crasso. Jésus est souverain. Il est souverain. Il n'a pas forcément besoin de moi pour opérer. Amen. S'il m'utilise, à lui la gloire. C'est lui l'auteur des miracles. Amen. Ses yeux t'enflés, c'est ça? Tout est enflé. Non, on ne peut pas bien.
Amen. Et pourquoi son père est venu? Il a souvent. Pourquoi je ne sais pas? On dit ton enfant est malade. Allons prier pour lui. Il dit non, 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 non. On ne sait pas par là où il n'y a pas. Amen. 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 Chacun sait ce qu'il fait. Quand vous y avez un nom. Ah. Non, la menace m'a attrapé. Si le détecteur m'a pris. Il n'a qu'un pied, mais il n'a qu'un. Amen. Que la gloire revienne à Jésus pour son grâce. Ça, c'est un grand témoignage. Même lui, il est un peu efficace. Parce que je n'aimerais pas qu'on le regarde à Crasso que je suis. Amen. Maintenant, on va t'amener avec personne. Regardez à Jésus. Amen. Je lui dis. Et ça, pour moi, c'est un témoignage. Il y a un tout le monde. Il me dit. Il y a un tout. Voilà, c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur ça. Nous avons tout pas tout serré ici à Peniel. Peniel. Adressez vos dieux d'Israël. Il va vous exaucer. J'entendais un vieux disait, le prophète aide-moi. Non, non, c'est pas moi. C'est pas mon nom qui guérit. Un nom ne peut pas te guérir. Jamais ne prononcez mon nom. Quand vous priez, n'invoquez pas mon nom. Non, parce que tu es jaloux. Non. Moi-même, là, quand j'ai prié, c'est Jésus. Et c'est cela que dans ma chambre, quand je vais prier, tu me prostais. Je n'assois jamais. Parce que sans lui, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Sans lui. C'est tout. Je dépends de lui. Je ne suis rien. Rien. Rien et rien. C'est Jésus qui est puissant. C'est tout. Regardez cela, Jésus, c'est lui qui a passé. C'est tout. Amen. Souvenez-vous. Invoquez le nom de Jésus. Laissez mon nom tranquille. Il dit quiconque invoquera mon nom sera sauvé. N'a pas le nom de Christ. Oui, son nom. C'est son nom qui sauve. C'est son nom qui délivre. Quand vous venez à Peniel, regardez à Jésus. Vous avez la dame attendue, elle a dit j'entends. Et moi. Parce que c'est le système prophétique. Et je vous dis toujours, la manière de travailler du prophète est différente de celui du pasteur. C'est clair. On n'a pas la même manière de travailler. Pas du tout. On n'a pas le même enseignement d'ailleurs. C'est vrai que nous avons vu qu'on salue nos parents de Jésus-Christ. Il y a pas ressuscité. Nous avons vu pour le ciel. Le prophète donnera certaines choses. Des secrets spirituels pour avancer dans la vie. Nous sommes appelés les mystères. Nulle part dans la vie, on a vu un prophète en train de prier pour quelqu'un. Toute fois qu'on venait consulter un prophète, le prophète apportait la solution. C'est clair, c'est un apporteur de solution. Le prophète est un consultant. On le consulte pour avoir la révélation de Dieu. Ça fait même du temps. Oui, parce que le prophète n'était pas saïste, il ne suivra pas tes émotions. Mais quand tu viens voir un prophète, tu vas avec ton système de planning, tout un autre. Amen. Amen. Parce que moi, j'écoute l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne dépends que de lui. Le vin ayant manqué au nom de Cana, on invitait Jésus et sa mère. Et tout le monde et les disciples arrivaient au nom de Cana. Sa mère donne les directives à Jésus. Elle s'adresse à Jésus. Son fils vous dit, regarde, il n'y a plus de vin. Je sais que tu peux faire le miracle. Vous voyez la réponse de Jésus. Ah ouais, Jésus, c'est ça. Bah. Oh non. Quel rapport. Amen. Y a-t-il entre toi et pour moi. Et moi. Là, même, hein. Homme que tu es. Comment le droit de me donner des directives. Moi, j'ai bien fait, moi. Mais il ajoute mon œuvre. Oh, oh, bah, non, mais pas mon temps. On a dit. Arrivé. Amen. Amen. Il dit mon œuvre n'est pas encore arrivé. Oh là, on a dit. Oui. C'est pour ça que le prophétie, c'est ça. C'est le temps où Dieu veut agir. Et c'est ça le prophétie. Et quand son temps est arrivé, il a changé l'eau en vin. Ok, un de nous qui est mort. La Bible dit que n'imposez pas les mains par précipitation. Nous sommes dans le rêve.
Nous écoutons beaucoup la voix de Dieu. Quand Dieu me dit va, c'est vrai que en principe, nous devons prier pour tout le monde. Il y a une révélation que Dieu doit me donner. M'engager dans une vie, et c'est ce que j'attends. Tant que j'ai prié sur ça, il sera difficile. Même si tu tournes autour de moi. C'est l'auteur des miracles. Ce n'est pas grâce. Mais c'est Jésus. Amen. Je ne vais pas vous faire plaisir. Pour accomplir une volonté de Dieu dans ta vie. Voilà, c'est ça. C'est ça que beaucoup de personnes échouent dans le miracle. Ils imposent les mains, comme il faut imposer les mains. Voilà. Amen. Lorsque Lazare était malade, ils sont allés approcher Jésus pour dire celui que tu aimes est malade. Jésus n'est pas entré. C'est après la mort de Lazare que Jésus est venu habiter. Tout le monde était choqué et tout ça. Jésus l'a ressuscité. Là, c'était le temps. Amen. Amen. Tu veux voir un miracle de Dieu? Il faut être dans le prophétique. Amen. Dis amen. Dis à quelqu'un, Jésus est présent. Jésus. Moi, je crois tellement sa présence. Amen. Si je n'ai pas forcément bien d'être là, venez à prier et il y en a pour la vie. Son père est là. Il est venu fou ici, hein, monsieur. Où est son père? Je suis pour là. Ah, il est parti au mur. Il a l'eau besoin. Comment tu t'appelles? Hein? Et ton père? Alphonse. Et ta mère? Tialuna Ivoire. Quels sont ceux que l'on vit? Qu'elle est venue ici? Hein? Elle dit que c'est la même chose. Non. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Biapa anaki, okiyo ya nasayi, biapa, atola kofo ya nasayi. Le moment où les autres auditeurs se voulaient parler, Jésus ya nasayi. Yeah.
fait un miracle quelque part. Amen.